Si vous souhaitez booster votre sexualité et donner un coup de peps à votre libido, une boisson aphrodisiaque ne sera pas de trop pour rendre vos soirées plus intenses et inoubliables. Loin des stimulants chimiques et parfois dangereux pour la santé, une alternative plus naturelle existe. Dans cette vidéo, je vous propose 5 boissons aphrodisiaques hyper efficaces. A tout de suite. Je m'appelle Terence et je vous accompagne dans la découverte des plantes médicinales africaines. Si vous aimez les vidéos sur les plantes, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et si vous regardez la vidéo depuis YouTube, cliquez sur la petite cloche de notification pour être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. En cas de baisse de libido, c'est-à-dire de désir sexuel ou pour stimuler l'érection, un aphrodisiaque naturel peut être un allié efficace pour vous aider dans votre vie sexuelle. La première boisson est le cocktail à la pastèque. Si vous avez envie d'un peu de fraîcheur, une récente étude a découvert que l'acide aminé citrulline présent dans la pastèque permettrait de lutter contre les troubles de l'érection. Pour réaliser notre cocktail à la pastèque, on aura besoin d'une tranche de pastèque, d'une grenade, d'une tranche d'ananas et d'un citron. Mixez le tout, puis filtrez. Ajoutez ensuite le jus de citron. Bonne dégustation. Notre deuxième boisson aphrodisiaque est la tisane des amoureux. C'est ma préférée. Elle était déjà bien présente au Moyen-Âge. Cette tisane est essentiellement faite avec des racines de berce. C'est une tisane très réputée pour ses vertus aphrodisiaques chez l'homme et la femme. C'est simple, faites infuser cette tisane pendant 10 minutes, puis filtrez. Buvez cette tisane bien chaude 3 fois par jour après chaque repas. Notre troisième boisson aphrodisiaque est la tisane africaine aphrodisiaque. Cette boisson aphrodisiaque est un mélange de plusieurs épices qui se marient parfaitement. Elle est destinée aux hommes et aux femmes. Cette boisson a pour effet d'augmenter votre appétit sexuel avec tous ses composants. Voici les ingrédients. Il vous faudra de l'écorce de cannelle, du gingembre, de la menthe séchée, du poivre, du clou de girofle. Mélangez toutes les épices dans un grand bol. Une fois le mélange effectué, prenez-en dans une cuillère à café. Mettez le mélange dans une boule de thé, remplissez une tasse d'eau chaude et incorporez la boule de thé. Laissez infuser pendant une dizaine de minutes, ajoutez du miel et vous pouvez déguster. Notre quatrième boisson est un cocktail aphrodisiaque au jus d'ananas et au gingembre. Ce cocktail est en fait un concentré d'ingrédients aphrodisiaques. Voici les ingrédients. Une tranche d'ananas, un morceau de gingembre, du lait de coco, un peu de noix de muscade râpée. Mixez le tout, puis ajoutez ensuite le lait de coco et un peu de noix de muscade moulue. Bonne dégustation. Notre cinquième boisson est la tisane au gingembre et à la citronnelle. Cette boisson aphrodisiaque se marie parfaitement. Elle est destinée aux hommes comme aux femmes. Cette boisson a pour effet d'augmenter votre appétit sexuel avec ses composants, bien sûr. Voici donc les ingrédients, le gingembre, la citronnelle, le clou de girofle et le vinaigre de cidre. Mélangez toutes ces plantes dans un bol, laissez infuser pendant une dizaine de minutes, ajoutez du vinaigre de cidre et du miel et vous pouvez déguster. Dis-moi en commentaire quelle boisson te donne envie. Surtout, je t'invite à tester et à venir laisser ton avis. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage, pourquoi pas, si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. C'était Terence, l'herboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À bientôt.